la dernière fois, on avait parlé de faire un backstage sur mon travail de photographe outdoor. Mais avec là, je suis aux périodes et j'ai une idée. Si ça marche, ça va vraiment être incroyable. Allez, rappelle-moi. The best part about working with Matisse is that he's a genuine person with a great heart, and he's a friend, and he's smiling. There's never any like, you've got to do this, or it's like, maybe this will work out, or how's this? And kind of working that magic between subject and photographer, that's really key, and Matisse has this. Une photo qui réussit, pour moi, c'est une photo qui dure dans le temps, quoi. C'est une photo qui transmet de l'émotion et qu'en fait, l'image, que tu la regardes des années et qu'en fait, au bout de 10 ans, tu vas retrouver encore des détails dans l'image que tu n'avais pas vu les années d'avant, quoi. Red Team de ce bar. Je pense que Matisse, il a une qualité exceptionnelle, c'est cette polyvalence en fait, parce qu'il touche à tous les sports, donc il est guide, il grimpe, il skie, il fait du parapente, et donc il comprend tous ces éléments, il est autonome dans toutes ses disciplines. The standard for a creative is that they have to shoot still, they have to shoot video, they have to be able to understand sound, they have to be able to fly a drone, they need to know how to do a 360, the panorama, and then once you have all of that, you have to know how to edit it. And that whole package of everything, if you're missing one component of it, you're not going to be the top of your game. And Matisse is a great example of someone that understands all of that. I have a tremendous amount of respect for someone that has a guide certificate, is a photographer, and is an athlete. And that's where photographers need to be in the next generation.